Hello everyone and welcome back to The Perfect French with Dylan. Today we are on chapter 14 of the French vocabulary course. We are going to learn everything about en ville, in the city. In the book we are going from page 133 to 138 and the exercises, if you have the book, are going from 14.1 to 14.7. As usual, here's everything that we are going to see today. We are going to see a little bit of vocabulary around transportation, les transports, then en ville, les endroits, les immeubles, les commerces, les verbes, useful verbs, to go around the city, and finally, se situer, to be located. We are going to see mostly prepositions on this one. Let's see four different verbs for les transports, transportation. Technically, only two, you will see why. The first one is aller à pied. Aller à pied. To go by foot. Aller à pied. If you want to talk that you're going by car, by train, we say aller en voiture, aller en train, aller en métro. Aller en voiture, aller en train, aller en métro. Do you remember? Movement. If we have movement, we are going to use en, mostly. To take the car, prendre la voiture. Prendre la voiture. But it can also be prendre le train, prendre le bus. It's just like in English, really. It's not very hard to take and to go. Very easy. Let's see the different modes of transportation. We have une bicyclette. Une bicyclette, this is a synonym for un vélo. Un vélo. Une bicyclette, un vélo. Une moto. Une moto. Or un scooter. Un scooter. Like we saw before, une voiture. Une voiture. Un taxi. Un taxi, this one is easy. Un bus. Un bus. But we also have le métro, le métro, le train, and the last one, le tramway, okay? Let's see two sentences. Est-ce que tu vas au travail en voiture? Est-ce que tu vas au travail en voiture? Le métro est toujours en retard. Le métro est toujours en retard. It's quite true, actually. Exercise 14.1. You have different situation and you have to add personally how you go there. So, à pied, en voiture, etc. Second point today, en ville. In the city. En ville. Let's start by six different types of street, places, neighborhood. The first one, une avenue. Une avenue. Un boulevard. We don't say un boulevard, we say un boulevard. Un boulevard. Un quartier. Un quartier. Une place. Une place. Une rue. Une rue. And le centre-ville. Le centre-ville. Le centre-ville. Basically, the center of the city. Le centre-ville. Let's see two slides, 10 words of vocabulary that are for the city. And we have a little bit of everything. We start with une bouche d'incendie. Une bouche d'incendie. This way is quite a funny word. Une bouche d'incendie. La chaussée. La chaussée. Les feux de circulation. Les feux de circulation. Une fontaine. Une fontaine. Une intersection. Une intersection. Un monument. Un monument. Un pont. Un pont. Une poubelle. This one works for a lot of places, but thanks God we have those in the city. Une poubelle, un réverbère, un
ré, ver, ber. Un réverbère. So it's really good to practice your air. Un réverbère. The last one, un trottoir. Un trottoir, un trottoir. Le trottoir est fermé à cause des travaux. Le trottoir est fermé à cause des travaux. Nous habitons de l'autre côté du pont. Nous habitons de l'autre côté du pont. 14.2, you have 10 sentences and you have to find the right word missing in each sentence. The next one, les endroits. Les endroits. I don't do that very often, but I'm going to give you everything that is in the book, the whole list. Because we have 15, so it's 3 slides of vocabulary. It's very convenient. And all of them are quite important. So let's see. Un aéroport. Un aéroport. You probably know this one already. Une bibliothèque. Une bibliothèque. Un bureau de poste. Un bureau de poste. Une école. Une école. Une gare. Une gare. Un hôpital. Un hôpital. L'hôtel de ville, la mairie. Here we can have both. L'hôtel de ville, la mairie. Une librairie. Une librairie. Une librairie. Un petit magasin. Un petit magasin. Une pharmacie. Une pharmacie. Un poste de police. Un poste de police. Un supermarché. Un supermarché. Un terrain de jeu. Un terrain de jeu. I said that a lot in this course, but we don't say un terrain de jeu. We say un terrain de jeu. De jeu. D apostrophe. Un terrain de jeu. Okay? We have less and less of those. In the city, we have une usine. Une usine and un zoo. Un zoo. Now, religious places. We have une cathédrale. Une cathédrale. Une église. Une église. Une mosquée. Une mosquée. Une synagogue. Une synagogue. And un temple. Un temple. Une bibliothèque et une librairie sont deux commerces différents. Une bibliothèque et une librairie sont deux commerces différents. La cloche de l'église sonne toutes les heures. La cloche de l'église sonne toutes les heures. Exercise 14.3. Now, les immeubles. Les immeubles. We don't have many. The first one is un gratte-ciel. Un gratte-ciel. Un hôtel, we saw this one. Un hôtel. Un immeuble, so un immeuble with two different ones. We can have un immeuble à appartement. Un immeuble à appartement. Or un immeuble de bureau. De bureau. Un immeuble à appartement. Un immeuble de bureau. Une prison. Une prison. Une tour. Une tour and un tribunal. Un tribunal. Ce gratte-ciel est le plus haut du monde. Ce gratte-ciel est le plus haut du monde. Cet immeuble était une prison dans le temps. Il a depuis été transformé en immeuble à appartement. Exercise 14.4. We already saw a few of them, but here we have les commerces. Les commerces, businesses. Une boucherie. Une boucherie. Une boulangerie. Une boulangerie. Un café, just like coffee. Un café. Un centre commercial. Un centre commercial. Un fleuriste. Un fleuriste. Une épicerie.
une épicerie, une librairie, we saw this one, une librairie, un magasin de vêtements, un magasin de vêtements, une pâtisserie, une pâtisserie, une pharmacie, very easy this one, un restaurant, un salon de coiffure, un salon de coiffure, une station d'essence, and un supermarché. Un supermarché. So, marché, market, super, super. So, un supermarché. La station d'essence est à sec à cause de la grève des camionneurs. La station d'essence est à sec à cause de la grève des camionneurs. So, être à sec, to be dry. Être à sec. Ce petit café vient juste d'ouvrir. Ce petit café vient juste d'ouvrir. Already 14.5. Like I said, we are going to see a few more verbs that are going to help you to get around the city. To get around, we say se déplacer. So, se déplacer en train, en voiture, se déplacer. Prendre, we saw this one. Prendre le métro, prendre le train. Aller à pied, so this one as well. Aller à pied. Then we have marcher. Marcher, to walk. Marcher. Traverser. Traverser, so, traverser la rue, to cross the street. Demander. Demander. Se trouver. Se trouver. And visiter. Visiter. I'm sure there were quite a few that you knew already, but I hope you still learned something. On essaye d'aller au magasin à pied au lieu de prendre la voiture. On essaye d'aller au magasin à pied au lieu de prendre la voiture. Je me trouve devant l'église. Je me trouve devant l'église. Exercise 14.6. The last point that we are going to see today is se situer. So to be located, we are going to see three slides of preposition to help you just say where you are right now or where something is. Derrière, devant. Derrière, devant. Sous, sur. Sous, sur. À côté de. À côté de. À droite de. À droite de, on the right. À gauche de. À gauche de, I can't show you because I never know which, how I'm gonna look on the video. I just can't get my head around that. So, à droite de, à gauche de, I'm not giving you anything with my hands. Next one. Au bord de. Au bord de. Au coin de. Au coin de. Five more. En face de. En face de, loin de, loin de, près de, près de, and tout droit, straight, tout droit, tout près, nearby, tout près, ok? On était à l'hôtel tout près de la Grand Place. On était à l'hôtel tout près de la Grand Place. L'arrêt de bus se trouve à gauche du pont. L'arrêt de bus se trouve à gauche du pont. Exercise 14.7. That's the end of this lesson. On Monday, we are going to see everything about the weather. It's going to be quite a quick lesson, but it's very, very useful, so make sure to not miss it. Please subscribe and like this video so you don't miss it. I will see you on Monday for a new lesson. À lundi.